Salut, bienvenue sur Maths en tête. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un projet dans lequel je me suis lancé et qui me tenait à cœur depuis un moment. Ah ! J'ai créé, il y a peu, Maths en tête, le podcast, une émission de vulgarisation mathématique, et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Le public visé par ce podcast est très large. Dans ce dernier, pas de choses techniques. Le ton est léger et le format volontairement court, aux alentours de 5 minutes. L'idée est de promouvoir les mathématiques auprès des curieux, on va parler anecdotes, histoire des maths ou maths au quotidien, de toucher ceux qui ont laissé cette matière de côté depuis un moment, et de les réconcilier, pourquoi pas, avec les mathématiques. Challenge accepted. N'hésitez donc pas à en parler à votre tata Simone ou à votre beau-frère allergique au pourcentage. Et d'apporter, pourquoi pas également, aux lycéens de terminale des idées ou des entrées pour leur grand oral du baccalauréat. Bref, vous l'aurez compris, le public visé, c'est tout le monde et pas forcément les matheux. Le rendez-vous, c'est tous les mercredis, vers 11h, une fois par semaine donc. Cette émission et ces épisodes est hébergé par Ocha, mais vous pouvez aussi les retrouver sur votre plateforme de podcast préférée. Et vous y abonner bien sûr. Là, on parle de Spotify, de Deezer, Podcast Addict, Amazon Music, Apple Podcast. Justement, c'est la plateforme Apple Podcast qui offre le plus de visibilité. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner, à laisser une note et éventuellement un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça augmente les chances de visibilité de mon travail. D'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes à traiter, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. En tout cas, je vous attends nombreux à ce nouveau rendez-vous. Portez-vous bien. Et puis, moi, je vous dis à très vite sur Maths en tête, le podcast. Salut !